Des pattes rouges. Ça filme en fait? Ah bah oui. Bon, et ben c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous montrer un petit peu toutes mes dernières possessions, tous ces livres qui sont nouvellement arrivés dans mes bibliothèques au mois de décembre. Il y a un nouveau fond derrière moi. Oui, je me suis dit que tourner ma vidéo dans la véranda comme je le fais habituellement, ça allait être un petit peu trop radical pour moi parce qu'il fait vraiment très très froid en ce moment et que j'étais bien mieux dans le salon. Et comme on est fin décembre, eh bien on profite encore un petit peu pour quelques jours de notre beau sapin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre ici pour vous tourner cette vidéo pendant la sieste de mes petits. Voilà, vous savez tout. Alors justement, on parle des petits, je vais commencer par les livres qui leur ont été offerts là, au cours de ce mois de décembre, à commencer par un livre que je dois aux éditions Usborne. C'est Coucou Noël de cette collection-là. J'ai déjà Coucou dans les arbres. Ce sont des livres cartonnés, donc très facilement manipulables par les plus petits, avec des flaps, donc des espèces de petits volets en carton qui sont à ouvrir, qui sont, comme vous le voyez, hop, à rabattre comme ça, et dans des décors typiquement noëlesques, puisqu'on va découvrir l'atelier des lutins, on va découvrir la maison du Père Noël, on va découvrir l'écurie avec les rennes, et puis finalement le Père Noël qui s'envole dans le ciel et qui va déposer les cadeaux au pied du sapin dans les petites maisons. Voilà, c'est un très chouette livre pour les plus petits, je dirais. Ça marche très bien à partir de, allez, 7-8 mois, quelque chose comme ça. En tout cas, un grand merci à la maison d'édition pour l'envoi de ce livre qui est vraiment de toute beauté. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque année, j'organise un calendrier de l'Avent pour les enfants. À l'intérieur, il y a soit des chocolats, soit des santons à placer dans la crèche, soit un bricolage de Noël à réaliser avec maman, ou de la pâtisserie avec des biscuits de Noël à réaliser ensemble. Et puis parfois ce sont des choses un petit peu plus matérielles, comme des livres de gommettes, de la peinture magique, ou eh bien des histoires tout simplement, puisque vous le savez, nous on adore la lecture et on adore agrandir la bibliothèque des enfants avec de beaux ouvrages. Et au cours du mois de décembre, ils ont reçu 3 livres. Sur ces 3 livres, je vais vous en présenter que 2, parce que le dernier, c'était une petite déception en fait, pour le papa comme pour moi. C'est une histoire qu'on prend aucun plaisir à lire, qu'on trouve un peu triste ou nette, un petit peu glauque sur les bords, qui possède de belles illustrations, mais franchement, au niveau du texte, ça ne nous convient pas du tout. Donc c'est un livre qu'on va tenter de revendre, et je n'ai pas envie et bien de le mettre en lumière dans cette vidéo. Alors il y a d'abord En attendant Noël, donc c'est un album qui est sorti aux éditions Grund, et alors il fonctionne comme un calendrier de l'Avent, ce livre, c'est-à-dire que c'est un ours qui est dans la forêt et qui va offrir un cadeau par jour jusqu'au jour de Noël à l'un des animaux résidant dans la forêt. Donc un jour ça va être un hérisson qui va recevoir un cadeau, le lendemain ça va être eh bien un cerf, le surlendemain un écureuil, bref, jusqu'à temps que tous les cadeaux soient distribués et que Noël arrive. Et alors la chute de l'histoire, je peux d'ores et déjà vous la raconter, mais moi elle m'a énormément plu. C'est-à-dire que tous ces cadeaux ne sont pas anodins. Certains animaux se disent mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas un cadeau que de recevoir de la paille ou que de recevoir un torchon. Et en réalité tous ces cadeaux ont un sens, puisque l'ours a organisé une représentation vivante de la crèche. Et ils organisent comme ça un spectacle le jour de Noël en reconstituant la crèche, une crèche vivante. Et j'ai trouvé l'idée eh bien absolument géniale. Et à la fin du livre, on a un vrai petit calendrier de l'Avent à ouvrir avec des petits volets, des petites surprises à l'intérieur, des petits dessins. Et c'est un livre qui plaît bien à Marius, mais qui lui plaît pas autant que le second, que je vais vous montrer dans un instant. Mais en tout cas, entre les deux, c'est clairement lui qui a ma préférence. Et je pense que Marius l'appréciera encore plus avec le temps. Et alors le coup de cœur de Marius, on y vient, donc c'est Cher Père Noël de Emma Yarellet et c'est sorti aux éditions Albin Michel. Alors là l'histoire elle est assez rigolote puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anna qui va envoyer sa lettre au Père Noël. La lettre va atterrir dans la cheminée du Père Noël, sauf que le Père Noël a fait un feu
et la lettre va prendre feu. Et il y a le cadeau qu'Anna aimerait recevoir qui n'apparaît plus dans la lettre puisqu'il y a un trou étant donné que voilà, la lettre a traîné un petit peu trop longtemps dans la cheminée du Père Noël, je vous montre, voilà. Et le Père Noël se creuse la tête, il se dit mince, qu'est-ce qu'elle veut Anna? Je peux pas savoir, c'est illisible. Donc il va demander son avis à ses lutins, à l'ours polaire qui habite à côté, à ses reines. Et chacun va y mettre son grain de sel en disant « Ah, moi je pense que Anna, elle aura envie de recevoir ça ou ça comme cadeau. » Et leurs propositions sont très étranges. Et le Père Noël se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de ces cadeaux-là? Je suis pas sûre que ce soit ce qu'Anna rêverait d'avoir le plus au monde. Est-ce que ça risquerait pas de faire un gros flop le jour J ?» Donc le jour J, le Père Noël va jusqu'à la cheminée d'Anna et il est très gêné par ce qu'il a à y déposer. Et il va avoir une idée qui va sauver un petit peu le cadeau de Noël d'Anna. Et c'est une histoire qui est bourrée d'humour. Alors quand je la lis à Marius, je la lis pas intégralement, dans le sens où je trouve qu'il y a du vocabulaire un petit peu trop familier. Et moi, j'aime pas m'exprimer comme ça, donc je réinvente en fait. Je réécris en lisant à voix haute le texte à Marius et en remplaçant les mots qui vont pas par d'autres mots. C'est le bémol pour moi à mon sens et qui me fait largement préférer ce texte là dont il n'y a absolument rien à redire. Là c'est vrai que c'est un peu trop familier à mon goût, l'idée de départ est superbe, les illustrations sont géniales, mais c'est vrai que le texte, ça pêche un petit peu. Donc le premier livre que je me suis acheté au mois de décembre, vous voyez, en effet, c'est pas une histoire, c'est pas un roman, c'est pas de la fiction, c'est Apprendre le tricot parce que, eh bien, en 2022, j'aimerais beaucoup me remettre au tricot. Il y a peut-être 7-8 ans en arrière, j'ai pas mal tricoté, j'ai dû tricoter pendant à peu près 2 ans et que des vêtements pour bébé, que de la layette, voilà, j'étais à fond là-dedans. Je m'étais dit, tiens, quand j'aurai un bébé, eh bien au moins, je lui ferai des petits vêtements. J'en ai aussi offert à certains enfants de mes collègues. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis après, bon, bah après, j'ai changé de vie, je me suis réinventée. Et il a fallu que je fasse un gros tri dans mes affaires. Et je me suis débarrassée, mais complètement, de tous les vêtements que j'avais pu faire, de toutes les aiguilles, de toute la laine que j'avais. Et ça m'allait parce que je changeais de vie et j'avais plus les mêmes aspirations, plus les mêmes envies, j'avais plus envie à l'époque de tricoter et voilà, j'ai complètement mis de côté ce loisir et depuis peut-être une semaine ou deux, j'ai envie de m'y remettre. Je pense que c'est comme le vélo, on n'oublie jamais trop, mais j'imagine que ça me ferait pas de mal de revoir les bases. Et en même temps, je suis sur Instagram Barbara Jaglin, donc qui est l'auteur de ce livre. Et j'ai eu envie de soutenir son travail en achetant donc Apprendre le tricot. Et ce qui est plaisant dans ce livre, c'est que voilà, il n'y a pas que la théorie, il y a aussi la pratique avec plusieurs modèles, plusieurs patrons. On trouve, et ça c'est très chouette dans ce livre, c'est que c'est très diversifié au niveau du contenu. C'est pas que des pulls ou c'est pas que des écharpes, voilà, il va y avoir des écharpes mais aussi des couvertures, un sac, des pulls, un gilet, un bonnet, voilà, vous avez comme ça 10 modèles différents je crois et qui sont très diversifiés, donc ça m'a plu. Et c'est pas le tricot de mes mères, vraiment, j'aime bien la génération du tricot 2.0 parce qu'ils ont vraiment dépoussiéré tout ça avec des modèles vraiment... ouais, moderne et qui donne envie d'être portée surtout. Et je me suis offert cet ouvrage que j'ai trouvé tout simplement dans le Cultura qui est à côté de chez moi. Si je suis aussi longue sur chaque livre, les amis, on n'a pas fini. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Pour Noël, mes parents m'ont offert mes délicieuses créations. Là aussi, ça vient d'une Instagrammeuse que je suis qui s'appelle Malika Wally. Donc c'est sorti aux éditions Solar. Et comme on peut l'imaginer dans un livre de pâtisserie, c'est organisé en plusieurs sections. Donc vous avez plutôt les petites choses pour le petit déjeuner, des choses plutôt, des petits biscuits pour le goûter, des gâteaux avec un effet un petit peu plus waouh, voilà. Moi j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup son blog aussi et je suis fan de pâtisserie. Si vous ne le saviez pas, eh bien sachez-le. Et je trouve que c'est un très bel ouvrage avec de très jolies photos qui donnent plein d'inspiration et ça donne très envie de tout refaire. De la part de mon grand-père, j'ai reçu un magnifique objet livre que vous êtes obligé d'avoir vu passer hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors c'était pas pour Noël, il me l'a bien dit spécifiquement, ce n'est pas pour Noël, d'accord, merci papy.
Il a voulu m'offrir le tome 2 de la série des Harry Potter à être sorti par les studios Minalima. Donc vous savez, c'est ces magnifiques objets livres avec des pop-up presque à chaque page où on a des choses à tirer, à ouvrir, à découvrir. Bref, c'est un régal pour les yeux. Donc je me suis acheté il y a quelques mois pour mon anniversaire, c'était un cadeau de moi à moi-même, le premier tome, et là il a tenu, quand je lui ai fait feuilleter le premier tome, à m'offrir le tome 2, donc un grand merci à mon papy, il a vraiment fait une heureuse. Alors j'ai reçu de la part d'une copine pour Noël deux livres, elle a vraiment là aussi fait une heureuse puisqu'elle m'a offert le tout dernier J.K. Rowling, c'est celui qui est sorti là pour cette fin d'année, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. J'adore la couverture, les retours sont très très bons. Autant le livre qu'elle a sorti l'année dernière, je crois que c'était L'Icabog, les retours sont assez mitigés. Même s'ils tendent plutôt vers le pas mal que vers le c'était pas terrible, mais autant là pour celui-ci, vraiment je ne vois que du positif et j'étais très très curieuse à l'idée de découvrir cette histoire. Donc ça se passe dans le monde des jouets, moi quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment fait penser à Toy Story dans l'ambiance, vous voyez. Donc je suis pressée de mettre le nez dedans, ça se passe pour les fêtes et donc ça va être une grande aventure avec des jouets. Il y a quelques illustrations comme c'est un livre pour enfants à découvrir au cours de cette lecture et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus pour vous en reparler. Et le dernier livre qu'elle m'a offert, eh bien là aussi c'est un livre pour enfants. Mais c'est un livre en anglais, donc il y avait dans ma wishlist Monster Hunting for Beginners, donc la chasse aux monstres pour les débutants. C'est écrit par Yann Mark, j'adore la couverture, elle est magnifique. Là aussi il y a plein d'illustrations à l'intérieur, c'est en anglais mais c'est écrit très gros. Alors ce qu'il faut savoir concernant la lecture VO, c'est que ça me pose normalement pas trop de problèmes de lire en anglais. Je dis normalement parce que cette année je n'ai pas lu un seul livre en anglais. Et l'année prochaine, alors je vous dis ça mais je sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, disons en 2022, j'ai vraiment très envie de me remettre dans la lecture en anglais parce que je dois reprendre le travail en septembre dans ma boîte. C'est important de parler anglais, d'écrire en anglais. Et donc ça ne me fera pas de mal de repotasser tout ça parce que après aussi longtemps à être à ne pas avoir pratiqué la langue, il est évident, mais c'est sûr et certain que j'ai beaucoup perdu. Donc je vais vraiment essayer de faire passer la lecture en VO, pas au premier plan, mais on va dire ne pas la reléguer au fond des oubliettes pour cette année 2022. Voilà. Maintenant je vais vous montrer ce que je me suis acheté donc au cours du mois de décembre. Le premier livre, il est très très connu et il n'était pas censé se retrouver dans ma bibliothèque. En fait je souhaitais l'offrir à mon grand-père pour Noël quand il m'a dit il y a quelques semaines de ça qu'il avait complètement arrêté de lire. Donc évidemment j'étais très déçue pour lui. Mais bon après voilà, bon, il y a tout un contexte et je peux tout à fait le comprendre. Après, c'est peut-être pas non plus permanent, quoi qu'il en soit. J'ai décidé de garder pour moi le livre que je comptais lui offrir parce que c'est vrai que mon grand-père, pour ceux qui me suivent régulièrement, il est très branché polar, thriller, ce genre de choses. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est pas trop mon truc. Mais en même temps, ce livre a été tellement médiatisé que je suis forcément un peu curieuse. C'est le plus connu des Joel Dicker, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et j'ai très envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire parce que, évidemment, j'ai lu le résumé et je suis très intriguée. Dans les années 70, il y a eu la disparition d'une jeune fille de 15 ans. Et après, quand l'histoire commence, on est en 2008 et on va suivre un jeune écrivain qui est en panne d'inspiration. Il va décider de se rendre chez l'un de ses amis qui est professeur à l'université. Et eh bien son ami va être accusé du meurtre de la jeune fille qui a disparu donc dans les années 70. Et l'écrivain, le jeune écrivaillon, va évidemment décider de mener l'enquête pour tenter de disculper son ami puisqu'il est convaincu de son innocence. Voilà le point de départ de cette histoire. Je n'en sais pas plus. Et eh bien peut-être que mon grand-père ne lira pas ce livre, mais moi je lirai ce livre pour lui. Et je lui raconterai toute l'histoire, voilà. Je me suis acheté un manga, voilà, je m'achète toujours
tous les mois ou presque des mangas et toujours des mêmes séries. Donc finalement, je vais arrêter de vous les présenter en détail ces séries puisque vous les connaissez par cœur, hein. Un coup, c'est l'atelier des sorciers, puisque là, vous voyez, je me suis donc pris le tome 7. Un autre coup, ça va être The Promised Neverland. Un autre coup, ça va être Minuscule. Bref, je tourne toujours autour des mêmes séries, hein, jusqu'à temps que je les complète jusqu'au bout. Donc voilà, déjà le tome 7. Je suis pas tout à fait à jour, hein, de l'atelier des sorciers, mais pas loin. Alors, je vous dis que j'aime pas trop les romans policiers, mais finalement, en décembre, j'étais quand même fermement décidée à me prendre le tome 4 de la série Sherlock, Lupin et moi. Alors, c'est une série policière... Allez, oui et non, il y a une petite intrigue policière, mais c'est du policier jeunesse. Et moi, ce que j'adore dans cette série, c'est vraiment eh bien, tout le contexte, puisque Sherlock Holmes et Arsène Lupin sont très copains, tous les deux, et on les découvre dans leur jeunesse, dans leur adolescence, en compagnie de Irène Adler. Irène Adler qui est l'auteur, mais qui est aussi personnage de son roman. Et chaque tome correspond à une petite enquête, mais il y a quand même un petit fil rouge avec des petites questions sur l'identité. Voilà, je vais pas en dévoiler trop, mais c'est vraiment une série que j'ai découvert eh bien, il y a quelques années sans en attendre grand-chose, mais qui m'a apporté beaucoup. Et j'essaie de me maintenir à la lecture d'un tome par an, alors ça peut paraître peu. Mais je lis tellement de choses et j'ai tellement de séries en cours que croyez-moi, c'est déjà pas mal. Autre suite de séries, je me suis pris le troisième et dernier tome de la trilogie de Gabriel Katz, qui est Le Puits des Mémoires. Alors c'est son tout premier récit, Le Puits des Mémoires, mais c'est le deuxième récit de l'auteur que je lis, puisque moi je l'ai découvert il y a quelques années avec sa duologie Aeternia qui m'a valu un double coup de cœur. Je n'ai pas eu de coup de cœur pour le premier tome de sa trilogie Le Puits des Mémoires, mais ça a été une très bonne lecture, j'ai quand même adoré ce que j'ai lu, et le tome 2 m'attend, et je suis très inquiète parce qu'en fait quand j'y réfléchis, je me dis que le tome 1 que j'ai lu en début d'année, eh bien j'en conserve assez peu de souvenirs, donc j'espère que j'aurai pas trop de difficultés à raccrocher les wagons. D'après ce que je me souviens à peu près du point de départ de l'histoire, hein. C'est trois hommes qui vont reprendre connaissance en pleine montagne dans des chariots pénitentiaires. Ils vont en déduire qu'ils étaient des prisonniers, mais ils ne se rappellent pas pourquoi, puisqu'ils ne sont pas capables de se rappeler qui ils sont. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont être pourchassés, poursuivis par des hommes, donc qui les traquent dans le but de les tuer. Donc ça va être l'histoire d'une course-poursuite et d'une recherche identitaire, mais je me rappelle plus énormément dans le détail, donc bon, j'espère que ça ira pour le tome 2, mais en tout cas je pouvais pas passer à côté du tome 3. Je me suis ensuite acheté un roman historique et j'ai jeté mon dévolu sur un mari Laberge, et j'ai pris donc Gabriel qui est le premier tome de sa trilogie Le Goût du Bonheur. J'aime énormément l'illustration de la couverture, un petit peu moins les illustrations des deux tomes suivants, mais alors ce premier tome, il est superbe, c'est un très gros roman, vous voyez qu'il fait, il fait un peu plus de 800 pages et ça dépeint tout simplement la fresque d'une famille canadienne dans les années 30 jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va vraiment évoluer eh bien avec cette famille et j'aime vraiment les romans historiques de cet acabit quand on suit une famille sur plusieurs décennies, je trouve ça absolument passionnant. Et j'ai vraiment hâte de découvrir donc Gabriel et son mari Edward qui forment un foyer uni mais qui vont être marqués par le sort, marqués par le destin. C'est un livre qui a des avis absolument dithyrambiques et qui me rend curieuse depuis plusieurs années et je suis heureuse d'avoir enfin sauté le pas. Je me suis aussi acheté au mois de décembre les 10 000 portes de January, donc c'est écrit par Alix E. Arrow, c'est une sortie récente, on l'a beaucoup vu passer à sa sortie et alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce que quand un roman est très médiatisé comme ça à sa sortie, souvent je me l'achète pas directement. Je laisse passer du temps histoire qu'il y ait des gens qui lisent ce livre avant moi et qui puissent en faire un retour, histoire que je vois si c'est un livre qui marche plutôt bien ou pas. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis précipitée, j'ai adoré la couve, j'ai adoré le résumé. Je me suis dit vas-y fonce ma cocotte et en fait... je vois que sa moyenne est très moyenne sur les livres addicts. La moyenne plafonne actuellement à 14, quelque chose comme ça. Et du coup, ça me fait plus autant envie.
Je suis assez dépitée. Visiblement, ce qui pêche dans cette histoire, c'est des gros problèmes de rythme et de confusion. Donc, ça m'inspire pas trop confiance. Mais bon, je pense que je le lirai quand même. Mais du coup, pas tout de suite. Hein. Après le peu que j'ai pu comprendre de cette histoire, notre personnage principal s'appelle January. Et c'est une découvreuse, si tant est que on puisse l'appeler comme ça, une découvreuse de mondes parallèles. Elle ouvre des portes et elle atterrit dans des mondes, voilà, divers et variés. Moi, c'est une thématique que je trouvais absolument formidable. Maintenant, si c'est très lent, si c'est très confus, ça risque de me poser vraiment problème. Mais bon, je verrai si je me laisse tenter l'année prochaine. Mais c'est vrai que là, je regrette un peu mon côté impulsif lié à cet achat. Un autre achat, pour le coup beaucoup plus court, mais vis-à-vis duquel je me sens beaucoup plus confiante, c'est Le rêve de nos mères. Donc c'est écrit par Karine Pitocchi. C'est sorti, je crois que c'est sorti aux éditions de Charleston en grand format, et c'est sorti il n'y a pas très longtemps dans sa version poche. Il y a eu un tome 2 sorti chez Charleston il y a peu de temps. C'est là aussi un petit peu comme le livre que je vous montrais tout à l'heure de Marie Laberge. Un roman historique, et un roman historique qui marche plutôt très très bien, qui a conquis vraiment beaucoup beaucoup de lectrices et de lecteurs. Et c'est un livre qui se passe plutôt juste avant la Seconde Guerre mondiale en fait. On va avoir une jeune veuve enceinte de son défunt mari qui va devoir survivre à son deuil, survivre eh bien, financièrement également. Et puis elle va voir son amie d'enfance qui s'appelle Will Murphy, qui va refaire surface. Et elle va essayer de tout faire pour que leur devis ne se mêle pas, étant donné qu'il n'est pas très sain pour elle, il fait partie de la pègre, enfin voilà, il y a plein, plein d'histoires comme ça. Et mon seul regret est qu'il soit si court, vous voyez, maintenant c'est un livre qui me rend extrêmement curieuse. Le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, le dernier livre que je me suis acheté au mois de décembre, c'est le premier tome d'une trilogie de fantasy qui s'appelle La Guerre du Pavot, c'est sorti aux éditions Actes Sud. Donc c'est écrit par R.F. Kuang et ça fait un bon bout de temps que ce livre est dans ma wishlist. Je n'osais pas trop sauter le pas parce que c'est vrai qu'il y avait deux choses qui me dissuadaient. La première, c'est le prix. Donc c'est un livre qui coûte 24 euros. Et par ailleurs, c'est un livre dont les deux autres tomes qui sont déjà sortis en anglais n'ont pas encore été traduits par Actes Sud. J'ose espérer que ça va être le cas un jour ou l'autre. Mais voilà, ça m'embêterait que la maison d'édition laisse le livre en plan. Et ne traduisent pas à la suite, ce qui peut se comprendre si jamais ce livre n'a pas marché, mais en tout cas c'est un livre qui a quand même de très très bons retours. Donc bref, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il va en être de la suite, mais quoi qu'il en soit, ça y est, j'ai enfin sauté le pas. Donc comme je vous le disais, c'est un récit de fantaisie, et ce qui est assez marquant, c'est qu'on sent que l'auteur a une très forte inspiration asiatique. Il y a la guerre, comme c'est très souvent le cas, entre deux pays, et puis notre héroïne va débuter un apprentissage pour faire partie de l'armée, pour développer ses pouvoirs, etc. Donc bon, ça a l'air assez, assez bien. On nous parle d'Harry Potter quand même, hein. Je tiens à vous dire, on nous parle d'Harry Potter. Mi-roman de formation évoquant les meilleures pages de Harry Potter, mi-épopée grimdark de fantasy militaire, le premier roman de l'auteur est salué par la critique, détonne par son originalité. Il m'en a pas fallu plus. Ça y est, hurrah! On a fini. Il y avait beaucoup, beaucoup de livres ce mois-ci à vous présenter. J'ai reçu beaucoup de choses, je me suis acheté beaucoup de choses aussi. Donc voilà, je pense que il y aura beaucoup de contenu pour vous et que je vais m'amuser au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère comme d'habitude vous avoir donné quelques envies de lecture de votre côté. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces livres. Peut-être que du coup, grâce à vous, je sortirai certains livres plus vite que d'autres de ma pile à lire. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et comme d'habitude, je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!